I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know that you. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul. Et on dit pas Joom en fait, on dit Joom. J'ai vu ça sur la publicité. Donc c'est un big haul Joom qui sera un petit peu plus petit que le premier haul que je... Ah, oh, ses cheveux, j'en peux plus. Que le premier haul que je vous ai déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez voir, il est juste là dans le email. Allez le voir après que vous ayez vu cette vidéo-ci. Et donc, tout ça pour vous dire en introduction que moi, on va dire que c'est un partenariat parce que la première vidéo que j'avais fait était un partenariat avec Joom et ils m'ont rebalancé des crédits. Donc, on va dire que c'est aussi un partenariat. Mais ce n'est pas parce que c'est un partenariat que je ne vous donne pas mon avis objectif parce que la seule contrepartie que j'ai à faire, encore ils m'ont même pas dit que j'avais de contrepartie à faire, ils m'ont juste filé des crédits, mais dans la première vidéo que j'avais faite, la seule contrepartie que j'avais à faire c'était faire des photos, donc je ne suis même pas obligée de vous faire cette vidéo, donc du coup je vous donne dans tous les cas mon avis objectif. Et les crédits qu'ils m'ont balancés, ils me les ont balancés bien avant que j'avais publié toutes les photos et ils me l'ont balancé bien avant que j'avais publié ma première vidéo. Donc voilà, c'est même pas parce que ça leur plaît ce que je dis ou je sais pas, mais voilà, bref, on commence cette vidéo tout de suite. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que cette vidéo va être en plusieurs parties parce que j'ai pas reçu tous les colis et vu que j'en ai marre que ça monce dans mon salon, c'est que je vais vous découper en plusieurs parties cette vidéo et donc il y aura des fois où je serai habillée d'une autre façon. Donc voilà, on a compris et donc c'est parti. Donc j'ai reçu aujourd'hui ces trucs-là. Et me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça se présente dans une boîte et je vous avouerai par contre qu'il y a un peu de produit qui a coulé. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, ça... Je vais vous l'ouvrir vite fait pour vous montrer. Ça se présente comme ça. Et en fait, vous avez une vingtaine ou une quinzaine, je ne sais pas, ça sent très bon, de masques en fait. Vous savez, les masques pour mettre ici pour hydrater vos paupières. Oui, non, c'est pas vos paupières, vos sous les yeux, voilà, vous avez compris, vos cernes et tout, pour éliminer vos cernes, pour hydrater votre peau, bref, t'as compris. Je l'ai utilisé tout à l'heure et franchement, c'est pas mal. J'en suis même plus contente que ces masques-là que vous trouvez chez Action, ceux qui sont un petit peu dentelés, vous savez. Et franchement, je suis contente. Par contre, ils sont un petit peu plus fastidieux à coller. Ils ont un peu du mal à coller, donc faut vraiment faire comme ça. Et je les trouve un petit peu plus grands, donc voilà. Mais sinon, franchement, j'étais étonnée, je les ai laissé agir 10 minutes ce matin, et franchement, super contente, donc c'est cool. Et en plus, vous en avez beaucoup à l'intérieur. Par contre, faut faire attention, faut vraiment bien fermer la boîte, parce que sinon, vous allez avoir du produit qui va couler, et les masques vont sécher, tout simplement. Donc ça se présente comme ceci. Donc très très contente de ce produit là. Ensuite on continue. Vous savez que j'ai envie d'investir, peut-être que je l'ai déjà à l'heure où cette vidéo est en ligne, mais dans un appareil photo professionnel, on va dire, ou semi-professionnel. Et donc je me suis laissée tenter par cette petite pochette là. Hop là, qui se vendent comme ça pour quand je vais en vacances ou ce genre de choses, pour mettre l'appareil photo ou tout simplement à la maison pour stocker tout ça. Et franchement, je la trouve super qualitative. Franchement, elle est super jolie. Par contre, j'avais pas vu, mais là, regardez, un petit défaut. Bon, après, c'est pas grand-chose. Là, c'est un faux pli. Mais voilà. Petit défaut là, un petit défaut là. Mais c'est pas énorme. C'est de la marque Travel Life. Je sais pas si c'est une marque. C'est une contrefaçon ou je sais pas quoi. J'espère que c'est pas une contrefaçon. Et hop. Non, pas de défaut. Donc la qualité est plutôt pas mal. Franchement, je kiffe. Et à l'intérieur, vous avez des espèces de petits trucs comme ça en velcro que vous pouvez enlever et mettre selon la grosseur des choses que vous allez mettre à l'intérieur, que vous pouvez repositionner. Voilà, je trouve jamais mes mots. Et franchement, c'est plutôt cool. Et je me dis que même si je n'utilise pas forcément pour un appareil photo, je peux toujours l'utiliser pour faire un sac, en fait. Vous allez me dire, je suis maman. Maman au début, maman toujours, maman forever. Mais ça peut être pas mal pour emmener le petit goûter des enfants, voilà, tout simplement. Franchement, non, je suis contente de la qualité. Par contre, je voyais pas ça aussi clair, je le voyais un petit peu plus foncé sur les photos, mais c'est pas grave, je suis quand même ravie par cette petite sacoche, ce petit sac à main, ce petit porte-appareil photo. Ensuite, continuons, toujours pour aller avec l'appareil photo, je me suis pris une petite pochette. En fait, j'ai acheté trop de trucs pour l'appareil photo, je me suis emballée, alors que j'ai même pas d'appareil photo encore. Mais j'ai pris cette petite pochette là, en mode marine, couleur marine. Là, vous avez une petite pochette là,
Et à l'intérieur, les enfants, c'est tellement doux. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette douceur à l'intérieur, parce que t'as envie de, on dirait des moufles. T'as envie de rester comme ça, mais c'est con parce que c'est pour protéger ton appareil photo. Mais c'est franchement tout doux, je kiffe. La qualité est très très bien. Après voilà, c'est une pochette tout ce qu'il y a de plus classique, mais la qualité est franchement top. Et voilà. Pour information, elle fait cette dimension-là. Et oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est n'hésitez pas à me suivre sur Joom. Il y a une espèce de des pages un peu pas comme Facebook, mais des pages où en fait je vais vous faire une photo de ce produit. Vous allez trouver directement le lien de ce produit pour pouvoir l'acheter éventuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Joom. Mon pseudo, c'est celui-là. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu les choses différentes que j'achète. Et c'est vrai que depuis que j'ai connu Joom, même moi personnellement, maintenant j'achète sur Joom et un peu moins sur AliExpress. Donc ensuite, continuons les loulous. J'ai pris pour la petite choupette des élastiques. Hop, donc un lot. Et en fait, il y en a plusieurs, hein, il y en a plutôt pas mal. Donc, ces différents élastiques-là, je vais pas tous vous les montrer, mais vous voyez un peu, hop, les différentes couleurs qu'il y a. Et en fait, voilà, c'est des élastiques, tout ce qu'il y a de plus classique, enfin non, ils sont un petit peu quand même très jolis. La qualité a l'air pas mal. Honnêtement, ouais, la qualité a l'air plutôt pas mal. Après, c'est pas, il y a des petits défauts là parce que c'est un nœud, mais franchement je kiffe, je suis super contente et je trouve que chez Joom vous recevez les articles plus rapidement que sur AliExpress. Après bien sûr ça dépend des articles, mais les premiers articles que j'ai reçus, je les ai reçus au bout de 5 jours. Après c'est possible aussi que sur AliExpress tu reçois tes colis au bout de 5 jours, mais globalement je suis plutôt contente de la qualité des produits et surtout de la qualité de la livraison. Donc voilà, plein de petits élastiques différents. Ça, ce sera parfait pour l'été qui va arriver. On continue dans les petits élastiques. J'en ai pris, alors c'était vendu à l'unité, mais j'en ai pris deux comme ceci. Et ils sont bien parce que là, voilà, vous voyez, vous avez une sécurité. Ah, par contre, si on tire dessus comme une malade, ça se décolle. Après, c'est du chinois. Hein. Hop, mais voilà, vous avez quand même une sécurité. Donc à voir si je les renforce ou pas, de toute façon c'est tellement gros que maintenant elle va pas les manger. Et ensuite j'ai pris cela. Hop là, petit rose un peu mint. Ensuite on continue, toujours dans les petits chouchous, j'ai pris ces tout petits là que je trouvais trop mignons. Donc vous en avez deux, hop, et je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'ai hâte d'avoir mon appareil photo pour vous faire la mise au point. Et franchement je trouve trop chou. Et chez le même vendeur j'ai pris cela. Franchement, trop, 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 trop mignon. J'ai pris ensuite un autre petit produit. Et là, je suis un peu déçue de la finition. Mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est un kit de plusieurs outils pour faire comme papa-maman. Donc voilà, vous avez un petit cutter. Vous voyez, là, il y a un petit truc qui t'y passe. Donc un petit cutter, une petite clé, un tournevis, une petite pince. Hop, après, c'est pas mal, c'est que ça... Ça s'ouvre vraiment. Une petite clé comme ceci. Est-ce qu'elle tourne? Ouais, elle tourne. Un petit marteau. Ça se décroche pas. Une petite pince comme ça. Et en fait, vous voyez la qualité là? Au niveau de la peinture, c'est pas gêne-gêne quoi. C'est pas gêne-gêne. Hop. Un autre petit marteau. Une pince. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok, ah, carrément quoi, la pince pour fendre le bois, la petite clé pour réparer la voiture, et vous avez ce petit truc là, qui je pense sert à mettre les différents outils, je sais pas trop, et vous avez aussi le petit boulon, voilà, comme ça. Donc je trouvais ça pas mal, et puis ce sera bien pour la petite choupette, parce que oui, les nanas, aussi, on sait bricoler, nous. Donc je vais pas acheter, moi, pour ma choupette, je vais pas... Ah, il y a une autre petite pince comme ça. Je vais pas acheter forcément des trucs Barbie, machin, machin. Non, ma fille, tu vas aussi savoir planter un coup et planter et mettre une étagère. Non, je veux pas que tu sois comme ces filles que j'entends des fois sur YouTube qui disent « J'attends mon mari pour me mettre mes étagères. » Non, 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 ma fille, tu vas faire comme maman, tu vas savoir mettre une étagère. Bon, après, je critique, mais tu sais peut-être pas monter une étagère, mais peut-être que tu sais faire à bouffer beaucoup plus que moi. Voilà, chacun ses compétences. Donc, on continue toujours pour l'appareil photo, que je n'ai toujours pas. J'ai pris ceci. Et donc, du coup, là, je suis sûre de partir sur le modèle d'appareil photo que je vais prendre. Donc, ouais, en fait, ça, du coup, c'est un peu une contrefaçon, parce que ici, il y a marqué la marque qui commence par un C. OK. Et donc, en fait, c'est quelque chose que vous allez... visser au cul votre appareil photo et ensuite vous allez fermer et vous aurez
C'est une pochette pour un appareil photo, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que vous pouvez détacher juste là. Donc là, on est d'accord, il y a votre appareil photo qui est là, qui est fixé avec le tir des kiki. Et là, vous pouvez le mettre directement sur un pied. Vous n'êtes pas obligé de démonter la petite housse pour pouvoir replacer votre appareil photo. Je suis assez contente de la qualité. Ça sent un peu le cuir, même si je pense pas que ça soit en cuir. Vous avez à l'intérieur un revêtement. Hop! Un revêtement velours, et ça sent très bon. Je kiffe, de toute façon, je kiffe l'odeur du neuf. Et franchement, non, ça a l'air d'être d'assez bonne qualité, et je suis plutôt contente de ce petit produit là. On continue, les amis, on continue. Je me suis tentée par un appareil comme ceci, que j'ai vu justement sur le mur, en fait, qu'il y a certaines personnes que je suis, et j'ai vu qu'elles l'avaient. Donc ça, c'est un appareil photo que vous pouvez utiliser. Un appareil photo, n'importe quoi. Un réveil. Tout à l'heure, j'ai dit appareil photo, là, je suis omnubilée par mon appareil photo. C'est un réveil que vous pouvez utiliser soit sur secteur, parce que vous avez un petit câble USB, mais vous n'avez pas l'adaptateur qui est fourni avec, soit en mettant directement des piles. J'ai même pas enlevé la protection. Hop là, je veux pas vous éblouir, mais tu n'éblouis rien du tout. Ah si, genre là, t'as mal aux yeux? Arrête. Impossible. Donc c'est un réveil qui se présente comme ceci. Voilà, vous savez qu'il est 17h30. Et voilà, par contre, au bout d'un moment, il s'éteint. Donc faut que je regarde. Je dois pas utiliser un réveil s'il s'éteint au bout d'un moment. Donc faut que je regarde les réglages, bien sûr, qui sont en American ou en chinois. Donc faut que je regarde ça. Vous avez une alarme, mais franchement, c'est juste insupportable, l'alarme. Et voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Vous pouvez régler, voilà, la luminosité du bordel. Et franchement, je trouve stylé. Il faut juste que je regarde si c'est possible que je règle le fait qu'elle ne s'éteigne pas. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un objet plutôt stylé. Ensuite, je me suis laissé tenter par cette petite pochette-là. Hop, qui se présente comme ça. Avec des petits chats. Il y avait d'autres couleurs différentes, mais moi j'ai bien aimé celle-là, je la trouvais un petit peu printanier, festif. Donc c'est une petite pochette de voyage, on va dire. Hop, comme ça, avec deux petites tirées kiki. Hop. Et en fait, là, vous avez un petit compartiment donc pour mettre vos pinceaux, par exemple. Là, vous avez une petite pochette. Petite pochette, quelle est l'intérêt, cette pochette? Je ne vois pas, là. Je vois pas du tout l'intérêt de cette pochette parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Ah non, ok, autant pour moi. C'est une pochette pour mettre les pinceaux. Et là, vous mettez la tête de votre pinceau, vous fermez. Et comme ça, ça va pas se salir, en fait. Voilà, la fille qui ne se maquille pas, qui ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc moi, bien sûr, je n'ai pas utilisé. Là, vous avez deux autres petites pochettes ici. Et là, vous avez un petit rabattant, là, comme sur les valises professionnelles. Et donc voilà, je la trouvais plutôt pas mal. Donc ça, je pense que je vais l'utiliser pour faire une petite trousse de voyage pour les petits bébés de l'amour. Dernier produit que j'ai à vous présenter pour cette séquence-là, j'ai acheté une boîte. J'ai acheté une boîte en carton, super, on adore. J'ai acheté ce produit-là que je vous montrerai quand je l'aurai testé, parce que je ne l'ai pas encore testé. Alors, ça se présente, vous avez une petite télécommande comme ça. Et en fait, c'est une lumière que vous allez placer dans votre aquarium. Donc, c'est nickel. Vous pouvez choisir, si vous voulez, la prise américaine ou la prise française. Donc moi, je suis française, j'ai pris la prise française. Ça se présente comme ça, ok. Et en fait, ça vous le chouchoutez à l'intérieur de votre aquarium. C'est waterproof. Et en gros, ça va vous allumer votre aquarium. Et ce qui est pas mal, c'est que il y a une petite télécommande. Donc du coup, vous pouvez changer les différentes couleurs. Donc ça, je vous ferai sûrement une photo sur Instagram pour vous montrer quoi. Et dans tous les cas, si je refilme dans cette pièce, j'essaierai de vous le brancher. La prochaine fois, j'essaierai de filmer dans cette pièce et de le brancher. Comme ça, vous verrez. J'ai dit deux fois, la fille qui se répète deux fois. Comme ça, vous verrez, je vais le brancher dans cette pièce et le brancher. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Parce que je l'aurais branché dans cette pièce et je l'aurais branché. Donc voilà, t'as compris, les meilleures blagues ont toujours une fin, sont toujours plus courtes. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Par contre, au niveau de la... déjà compris, je sais pas si ça va être si ça va bien ventouser, on verra. En tout cas, voilà, l'objet est assez qualitatif et j'ai hâte de tester ça. Donc voilà, pour le moment, les petits articles que j'ai reçus. Donc on se retrouve tout de suite à la suite dans une autre séquence et tout de suite, allez, on continue.
Hey, coucou, c'est encore moi. Donc, bah oui, normal, la vidéo n'est pas finie. Donc, j'ai reçu pas mal d'articles. Donc, du coup, je voulais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu... Ah, ça va faire du bruit, c'est chiant. J'ai reçu des petits élastiques pour la choupette. Ouais, cette fois-ci, j'ai commandé pas mal de petits élastiques. Désolée pour le bruit. Donc, ce sont des élastiques comme ça. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais sauf que vous avez... Par contre, c'est dommage que l'élastique ne soit pas de la même couleur que le petit rikiki, quoi. Donc, en plus, vous avez des petits... les petits rikiki, quoi. Hop. Deux verts, un jaune, un orange et un autre rose. Hop. Donc, ils se présentent comme ça. Ils ont l'air d'assez bonne qualité, mais après, voilà, ça reste des chouchous, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, vous en avez 5 à l'intérieur. Ensuite, j'ai reçu ceci. J'ai hâte de le tester. Donc, je vous ai gardé... l'emballage, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez mettre, hop, sur votre, j'espère que ça va fonctionner, sur votre pommeau de douchette, quoi. Et en gros, vous pouvez un petit peu, du coup, tchouk, 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 bouger le petit machin et avoir, t'as compris, quoi, et pouvoir le diriger où tu veux. Donc voilà, c'est un truc, tout ce qu'il y a de plus simple. J'espère juste que ça va s'adapter à mon pommeau. Hop. Bon, en fait, vous avez... deux systèmes différents, soit la femelle, soit le mâle, donc ça peut être pas mal. Donc je pense que ça va s'adapter, Inch'Allah, je croise les doigts. Ensuite, j'ai reçu ceci. Hop. Je vous ai gardé pareil l'emballage. Après, il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas utiliser des produits chinois pour les enfants, d'autres qui vont dire oui. Voilà, ok, moi, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, j'ai commandé deux petits accessoires, une petite fourchette, une petite cuillère, bon, ça a été vendu avec. Et vous voyez, ils sont un petit peu... tu prends comme ça, c'est un peu tordu, quoi. Comme ça, tu prends comme ça, et hop, directement. Et pareil pour la petite fourchette. Et je trouvais que les deux couleurs étaient vraiment mignonnes. Un peu là. Je trouvais ça vraiment trop chou, et ça a l'air d'être de la très bonne qualité. Ouais, c'est très très résistant. Aucun souci là-dessus. Donc c'est cool, ça fera plaisir à la choupette, petite choupette, qu'il faut qu'elle commence à manger toute seule. Ça serait bien. Ensuite, j'ai commandé ça. Je vous ai gardé le packaging. Hop là, tu vois la femme. Donc en fait, ça, vous voyez là, j'ai des soucis de cheveux, quoi. Donc ça, c'est censé être un trompe-l'œil. Oui, madame, oui, monsieur. Attention à ne pas utiliser quand il va pleuvoir dehors. Donc, ça se passe comme ça. C'est comme un rouge à lèvres. Sauf qu'en fait, démonstration live. Bah alors, ça écrit pas des masses. Si, ça va. Donc en gros, voilà quoi. C'est pour cacher un peu la misère. Voilà, là j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de cheveux quoi. Hop là. Oh la magie. Voilà, tu vois l'idée. Hop, ça y est, j'ai des cheveux. Hop, un petit peu là. Voilà. Hop. Ça y est, je perds plus mes cheveux. Voilà, voilà. Bon, après, il faudra en mettre aussi de l'autre côté, mais bon. T'as compris l'idée, quoi, t'as compris l'idée. Bon, pas mal, par contre, je pense qu'en quelques utilisations, t'en as presque plus. Donc, n'utilise pas ça si t'es Vincent Lagaffe, parce que en une journée, t'en as plus. Et bon, c'est plutôt pas mal. Après, c'est le genre de truc que vous pouvez utiliser pour une soirée, pour ce genre de choses. Si vous faites une coiffure un petit peu chelou, enfin, si vous n'avez pas de cheveux, vous faites une coiffure un petit peu chelou, où on voit bah, que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas bien garni de partout. Voilà, t'as compris, t'as compris, toi-même tu sais. On continue. J'ai commandé ceci. Hop là. Ah, mais tourne-toi. Donc en fait, c'est un bonnet pour... Je suis trop sexy. Avec le rouge à lèvres, c'est bibiche. C'est un petit bonnet pour quand tu te coiffes les cheveux et tout, nanana. Un petit bonnet quand tu te laves les cheveux et tout, bah voilà, tu mets ton petit bonnet. Et je trouvais ça pas mal l'idée parce que moi j'en ai marre de me sécher les cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouvais ça aussi plutôt pas mal pour la petite choupette. Donc du coup, j'en ai pris deux. Bon, il est un petit peu grand pour la petite choupette. Mais voilà, j'en ai pris deux et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, voilà, bien sûr, tu peux pas pécho avec ça. Hein, tu peux pas descendre en mode sexy girly, coucou chérie, fais-moi l'amour, vas-y. Parce que franchement, voilà, ça le fait pas trop. Mais bon, t'as quand même un petit nœud, c'est un peu sexy, non? Non, bon, ok. Allez, je continue. J'ai acheté toujours des élastiques pour la petite choupette. Oh, ça quête bien. Hop là.
trop choupi. Ils sont trop trop mignons. Hop, comme ça. C'est le même vendeur que je vous avais montré la dernière fois. Hop. Trop trop cute. 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 Je kiffe. Bref. Vu que j'ai toujours mes problèmes de 1-1-1-1, de t'as compris, de je suis pas bien, j'ai des grosses cernes de panda, je me suis dit on va tenter le ton pour le tout. On va prendre des patchs. Donc là, je me suis tentée par des patchs comme ceci. C'est des patchs un peu en silicone, pas mal épais. Donc il y en a, enfin c'est pas des patchs, t'as compris quoi, comme étude de chaque action. Il y en a 5 à l'intérieur, donc voilà, hâte de tester, on va voir ce que ça donne. Et bah, après c'est marqué en chinois, mais c'est censé vous hydrater, les paupières inférieures, tout ce que tu veux. Donc tu laisses poser 30 minutes quoi. Et ça a l'air d'être à la rose. Ça a l'air. Hâte de tester. Si j'ai le temps de tester, je vous mettrai une petite tout. T'as compris quoi. J'ai reçu ce produit-là. Alors en fait, c'est un produit. Bon, je vais pas utiliser là parce qu'on va pas se massacrer les sourcils. Mais en gros, c'est des petits ciseaux comme ceci. Tu rajoutes ce petit tire-liquiqui, ce petit peigne. Et en fait, tu peux couper le surplus de tes sourcils. Donc voilà, je vais tester. Il y avait des avis négatifs, des avis positifs. Je vais tester et je vous mettrai une petite annotation. Bah, de toute façon, tu l'as vu la notation, hein. Ensuite, pour la petite choupette, j'ai pris des petites pinces. Donc les motifs, c'est un peu compliqué, mais voilà, tu vois, il y a plein de motifs différents. Hop, et c'est une petite pince comme ceci, là, avec le petit tire-kiki. Et ça va encore. Après, il y a des smileys, moi, je suis pas fan des smileys. Bon, ça pourrait être mignon, quand même. Il y a le truc gay, ça, c'est pas mal. Hop, la qualité est pas mal. Après, bien sûr, si tu tires dessus, ça va se barrer. Donc, il faut éviter de tirer dessus. Celui-là, il est trop mignon. Hop là. Et voilà, plein de motifs différents. Voilà. Hop, je kiffe. On continue. J'ai acheté encore des petits patchs pour les yeux. Décidément, si j'ai pas la fin des paupières correctement garnie, tout ce que tu veux, je sais pas ce qu'il te faut. Donc là, c'est un peu le même système que je vous avais montré dans l'autre. C'est même carrément le même système. Vous avez à l'intérieur une petite pochette comme ça, un bocal et une petite pince pour pouvoir attraper vos masques. Hop là, c'est operculé et vous prenez la petite pince comme ça, vous cradez pas tous les trucs. Bah dis donc, ouais, en fait la pince ça sert à rien quoi. Allez, ça glisse au pays des merveilles. Non, la pince ne sert strictement à rien parce que ça glisse trop. Oh, ça m'a saoulé. Donc en gros, on dirait une truite. Donc en gros, voilà, ces petits masques comme ceci pour te mettre sous les yeux. Voilà, sous les yeux et pour t'hydrater, pour ce machin, pour que t'aies plus les chutes de panda. Donc voilà. Par contre, la pince, c'est débile, elle ne sert absolument à rien. Mais bon, c'est pas grave. Et à l'intérieur, je sais plus combien de masques j'ai. Je crois que j'en ai une vingtaine, un truc comme ça. Enfin, 40 en tout, parce que j'ai deux yeux quand même, j'ai deux paupières, j'ai deux yeux de panda. Finalement, je vais le mettre dans le frigo, comme ça, ça va bien rester frais. Et ça, ça va faire vachement, super vachement de bien. On continue, j'ai acheté ceci, par contre, je pense que ça va être trop grand. Pourtant, j'ai pris du XXL, il n'y avait pas plus. Donc en fait, c'est un body, hop, comme ceci. Body plutôt sexy, mais je trouve que pour mes lolos, ça va être trop petit. Donc il est assez court et en fait moi je l'ai pris parce que c'est un body d'allaitement. En gros c'est comme les soutifs, voilà, vous mettez comme ça, ça tient, hop, démonstration des familles, ça tient comme ceci, voilà, imagine que tu l'as mis, hop, tu fais ça, t'enlèves le petit tien des kiki et ensuite tu peux sortir ton nichon pour pouvoir donner à manger à ton marmot. Marmot qui arrivera au mois de mai, je vous le rappelle. Donc voilà, il est coquet, il a l'air de très très bonne qualité au niveau du rembourrage, ça a l'air nickel chrome. Par contre, au niveau de... Bon, les lanières sont quand même épaisses, hein, c'est pas... Elles sont entre deux, voilà, c'est pas le truc tout fin, mais c'est pas le truc super épais non plus. Là, derrière, vous avez une... comment dire... Bah, t'as compris, un truc dans le dos, mais qui est bien différent, qui fait un peu comme un soutif. Et là, vous avez aussi une petite... Je sais pas comment, je suis nulle hein, pour expliquer les choses comme ça, mais t'as compris, ça a l'air d'assez bien maintenir les nichons, voilà, on va dire ça comme ça. Olé, pourquoi pas tester tant qu'à faire. Oh là là. Ouchigou. C'est compliqué. Ouh là là. Ah ouais.
Non, c'est... Ouh, bah dis donc. Non, c'est un peu généreux, là, quand même, hein. C'est un peu un Lolo Ferrari. Non, quoi que ça peut le faire pour cet été, mais... Non, c'est un peu chelou. Bon, après, les coques, faut les bouger, quoi. Hop, au niveau de soutien, par contre, c'est vraiment pas mal. Ah, mais ça me fait une grosse paire de meules, hein. Toute veineuse, voilà, on adore, sexy la fille, mais voilà. Ah, Lolo Ferrari, quoi. Bonjour, c'est Lolo Ferrari. Par contre, ça m'écrase un peu, du coup, les nichons. Donc, du coup, t'as compris, t'es là, j'ai faim. Hop, tu sors ton nichon, tu donnes à manger à ton bébé. Ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau du soutien, par contre, je suis... Bah, tu m'étonnes tellement ça me sert, mais non, je suis plutôt satisfaite. Par contre, ouais, c'est un peu... Bonjour, du monde au balcon. Bon, on verra, bref, hein, je suis pas mal avec mon étiquette. En tout cas, voilà, les produits que j'ai reçus pour le moment. Donc, on se retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo et la suite des produits. Moi, je vais mettre ma petite Charlotte et ce soir, j'attends mon chéri comme ça. Hop, en mode, bonjour chéri. Hey, je vous retrouve. Je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc, j'ai reçu quelques articles, mais j'ai pas encore tout reçu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu de beau dans ma boîte aux lettres? J'ai reçu ceci. Hop là. J'ai vu ça dans une vidéo de Laurette. En fait, c'est un ustensile beauté qui vous sert à faire en fait des petits massages. C'est très très froid. Des petits massages comme ceci, une fois que vous avez appliqué votre crème, ça vous aide à bien la faire pénétrer. Donc vous avez un bout un peu plus rond, un peu plus grand et un bout un peu plus petit. Le bout un peu plus petit, ça va vous servir pour faire le contour d'œil ou ce genre de choses. Hop là. Donc ça, c'est pas mal. C'est très frais, c'est de la vraie pierre. Je suis plutôt très très contente de la qualité du produit. Donc j'ai hâte de tester et comme disait Laurette, je pense que je vais en prendre un deuxième, comme ça je pourrais faire les deux côtés en même temps. Donc vraiment hâte de tester ça et je pense que je vais l'introduire dans ma routine. Et franchement, le fait que ce soit frais, c'est super agréable et je pense que pour le contour de l'œil, vous savez à quel point j'ai des yeux de panda, je pense que ça va être plutôt sympa. Avec cet article, j'ai reçu aussi ceci. Je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être que ça sert pour mettre la crème et ensuite... Vous prenez la crème comme ça, ou alors pour le poser, j'en ai aucune idée. Laissez-moi un commentaire si vous avez une idée. Mais voilà, en tout cas, voilà, je suis super contente de ce produit. J'ai déjà dit, je me répète, mais voilà, je suis contente de ce produit. Pour la petite pitchoune, j'ai commandé des petits chouchous comme ça, et je les ai reçus dans un petit sachet plutôt mignon. Par contre, je suis dégoûtée parce que le vendeur, il y avait plusieurs coloris, et moi, en fait, j'ai reçu, je pensais avoir plein de couleurs différentes, mais moi, j'ai reçu que des jaunes, voilà. Donc un peu déçue. Donc après ça c'est des chouchous un peu, ah le bruit, un peu originaux on va dire. Donc les petits chouchous se présentent comme ça, vraiment tout simple, hop là focus, hop vraiment tout simple et ils ont l'air de très bonne qualité comparé à d'autres que j'avais acheté. Donc ça c'est plutôt chouette, par contre juste un peu déçue du coup d'avoir que des jaunes et dans chaque pochet vous avez 10 petits chouchous. Un brin de chouchou, cette fois c'est pour moi. J'avais commandé deux petits chouchous, hop, comme ceci. Par contre, je suis un peu déçue parce qu'en fait, moi je voulais qu'ils soient vraiment gros, comme un que j'ai là par exemple. Mais en fait, vous voyez, ils sont vraiment tout fins. Donc un peu dégoûté. Après, ils sont de bonne facture, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je voulais vraiment des gros chouchous parce que moi en fait, je me fais des coiffures vite fait à l'arrache, hop, comme ça. Et en fait, le chouchou, grosso modo, ça m'aide à mettre. Vous voyez l'histoire, à mettre du volume dans les cheveux. Donc là, du coup, j'ai un peu moins de volume. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ils sont de très bonne qualité. Mais voilà, juste un peu déçu qu'ils soient pas un petit peu plus gros. Mais bon, tant pis. On continue. Toujours pour la petite choupette. Et là, je suis contente et pas contente en même temps. J'ai pris un petit lot comme ceci de barrettes. Et en fait, je pensais que les barrettes allaient vraiment être petites. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 à l'intérieur. 20 couleurs différentes. Il y en a vraiment énormément. Mais vu que la petite choupette, elle est vraiment toute petite, bah ça va être un peu gros pour le moment. Mais bon, c'est pas grave. Et après, vous voyez, c'est des barrettes et vous avez un petit clips en fait juste derrière.
Hop, comme ceci. Par contre, la qualité est vraiment très, 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 très bien. Le choix du couleur est très diversifié. Il y en a plein. Et puis voilà, c'est un produit qui a l'air de très bonne qualité. Et je suis contente parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment toutes les couleurs. Après, je pense que je vais commander un deuxième lot. Comme ça, je lui mettrai deux petites barrettes de chaque côté. Mais c'est juste un peu dommage, voilà, qu'elle soit pas plus grosse. Mais après, plus petite. Mais après, à chaque fois, on est, soit c'est trop petit, soit c'est trop gros. On n'est jamais content. Mais en tout cas, la qualité est top. On continue. Dis donc, il y a beaucoup de trucs pour les cheveux. J'ai pris cette petite pince là pour les cheveux. Donc ça, je l'ai pris pour moi. Par contre, je suis un peu déçue au niveau de la qualité. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits défauts par-ci par-là. Donc c'est une pince en fait un peu à l'ancienne, comme ça. Hop là. Vous voyez? Hop. Et je pensais que c'était une pince comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure qui s'ouvre comme ça. Là, il y a un petit défaut par exemple juste ici. Je sais pas si vous voyez. Un petit tir de kiki, donc ça c'est un peu con. Donc voilà, après je sais pas si je vais l'utiliser moi, parce que ce système là j'aime pas trop. Je trouve que ça abîme un peu trop les cheveux. Mais bon voilà, ça peut toujours faire un petit effet pour une soirée ou un truc comme ça. On sait jamais. On continue. J'avais un collègue du bureau qui avait cet accessoire là. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc en fait ça, c'est un petit accessoire que vous allez mettre sur votre pare-soleil, comme ceci. Alors on va prendre ça qui fait office de pare-soleil. Hop, imaginons que ça c'est votre pare-soleil. Vous le mettez, hop, comme ça. Hop, et là vous le clipsez. Et en fait là vous pouvez mettre vos lunettes de soleil. Hop, comme ceci. Donc voilà, comme ça vous n'avez pas les lunettes de soleil qui traînent à droite à gauche. Elles sont sur le pare-soleil. Vous pouvez très bien replier et remettre votre pare-soleil. Et au moins elles ne s'abîment pas. Voilà, c'est un petit gadget, mais je me suis dit que ça peut être plutôt pratique. Et donc il y a une petite mouche juste là. Ici, donc du coup, vous abîmez pas vos lunettes. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de le mettre dans mes toilettes, non. Dans ma petite voiture. Continuons pour le bébé Chouk Chouk. J'ai pris ça. J'avais vu dans un haul qu'il était plutôt pas mal. Donc je me suis dit, on va tester. Parce que moi, j'ai un thermomètre. J'avais acheté un thermomètre chez... comment ça s'appelle le magasin Lidl, que j'arrive pas à m'en servir, j'y comprends rien. Sinon, j'ai un thermomètre rectal, mais voilà, c'est pas le top du top. Donc, je me suis dit qu'on allait lui prendre un thermomètre, vous avez compris, un thermomètre comme ça. Donc, il se présente comme ceci. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait rouge, je crois, et il y avait vert. Moi, j'ai pris bleu. Me demandez pas pourquoi. Le seul truc qui est dommage, c'est que la notice étant... Hop là. La notice étant en anglais... Mais après, c'est pas trop difficile à comprendre. Voilà, hop, 36,7. Hop. Donc après, je pense qu'il faut réajuster plus ou moins par rapport... faut que je regarde la notice en anglais. Mais 36,7, c'est quoi la bonne température? 37,7, non, normalement. Donc voilà, après, ça peut être pas mal. Et je crois que il change de couleur, par exemple, si l'enfant a beaucoup de température. Je crois qu'il change de couleur ou un truc comme ça. Par contre, il était fourni sans pile. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et pour information, vous avez... deux petites piles classiques à mettre dans le cucu de l'appareil. Donc voilà, plutôt contente, et ça peut faire aussi la température des pièces, tout ce que tu veux, les tempes, les machins, les trucs, les oreilles, c'est toi qui gères. Donc voilà, et j'ai reçu très bien emballé dans une petite boîte comme ceci, tout ce qu'il y a de plus classique. On va passer un petit peu à la beauté. J'ai reçu deux articles, beauté, beauté, beauté. Donc j'ai reçu ceci. Je vous ai gardé le packaging pour bien vous le montrer. Donc en fait, ça c'est un anti-cerne. Et apparemment, vous pouvez l'utiliser aussi sur plusieurs zones de votre visage. Hop là. Moi, je vais juste l'utiliser en anti-cerne. Était fourni à l'intérieur une petite pochette, mais bon, c'est juste pour le transport. Et il se présente comme ça. Hop là. Et là, vous avez un petit... en fait, vous tournez et il y a le liquide qui sort. Alors moi, je trouve que la teinte, par contre, est un petit peu foncée. Hop. Je suis un peu déçue. Mais bon, après, c'est pas évident de voir les teintes de couleur sur internet. Donc voilà, un petit peu foncé, mais c'est pas grave, ça pourrait être pas mal en été en fait, quand j'aurai un petit peu plus bronzé, parce que là, c'est pas ça. Donc peut-être limite que je vais le racheter, mais en teinte un petit peu plus claire, voilà. Sinon, au niveau du packaging, je trouve que c'est cool, parce que le fait que vous ayez un petit, un petit bouchon là, bah du coup, ça évite d'en avoir partout. Et le fait qu'on doit presser comme ça, c'est bien, parce que du coup, vous cachez pas du tout de produit. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce produit. Et pour information, j'ai pris la teinte 3. Voilà, numéro 3. Toujours dans la beauté, on continue. J'ai pris cette petite crème-là, que je trouvais trop pitchoune. Déjà, pour le packaging, je la trouvais trop pitchoune. Et en fait, c'est une petite crème
pour les yeux, tout simplement. Alors, je vais vous l'ouvrir. Donc, ça s'ouvre comme ça. Vous savez, c'est une petite boîte en métal. Hop. Après, il faut pas que j'en foute partout. Hop. Hop là. Voilà ce que ça donne, la texture de la crème. Donc, ça sent très très bon, ça sent la rose. Ça sent très 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 bon. Donc, j'ai hâte de tester. Donc oui, moi je me mets des produits chinois sur le visage. Après, vous faites comme vous voulez. Je suis pas là pour vous inciter de faire telle ou telle chose. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que la boîte était super sympa. Et puis, on verra, on testera. Je vous en parlerai dans mes produits terminés. Et enfin, un dernier produit pour cette séquence-là. J'ai reçu, hop, je vous montre le packaging. J'ai reçu un roll-on, en fait, pour les yeux. J'en ai déjà acheté chez Action, mais je me suis dit que celui-là, il pouvait être pas mal. Donc, c'est un sérum roll-on massage. Hop, il se présente comme ça. J'aime bien le contenant, parce que du coup, vous pouvez utiliser vraiment tout le produit. Et en fait, vous avez un système de 3 billes, comme ça. Donc ça, je me dis que c'est sûrement pas mal. Ouais, du coup, faut que j'appuie. Hop là, ouais. Hop, le sérum, il est comme ça. Hop. Donc ouais, je vais faire comme ça. Hop. Et j'aime beaucoup le fait... Oh, c'est frais, ça fait du bien. Oh, ça fait tellement du bien de se masser sous les yeux. Et je me suis dit que les 3 billes, plus le côté que tu appuies, tu gères ton produit, ça c'est bien parce que celui de chez Action, il est un peu chiant, on est obligé de faire ça comme ça pour que le produit coule. Donc c'est un petit peu relou. Et là, ça fait extrêmement du bien. Oh, je kiffe. Oh là là, j'adore. Hop. Par contre, à long, ça fait un petit peu mal. Faut aller doucement. Ok, si t'appuies pas trop fort, ça va. Mais c'est un peu mal quand même. C'est bizarre. Hop. Faut y aller vraiment tout doucement. Donc après, voilà, tu peux très bien faire ça. Hop là. Et après, tu utilises le deuxième produit, le deuxième ustensile que je t'ai montré. Voilà, comme ça. Par exemple. Mais ça, je pense vraiment que je vais m'en prendre un deuxième. Oh, ça fait tellement du bien, les enfants. Ah, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc voilà, les enfants. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine séquence. Je pense que la prochaine, il n'y aura pas énormément de produits. De toute façon, j'ai refait une deuxième commande parce que Joom m'a encore envoyé des crédits. Donc je pense que je vais couper au prochain épisode. Donc là, j'attends de voir, on va dire, dans 3 jours. Ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres. Et après, je clôturerai ce vlog parce que j'ai pas envie qu'il dure 3 heures non plus. Donc, sur ce, on se retrouve pour la prochaine séquence. On continue ce gros haul Joom. Ensuite, j'ai reçu ceci. Hop là. C'est un écouteur. Vous savez, c'est un dupe en fait des AirPods. Par contre, j'avais pas fait gaffe. Il y en avait qu'un seul. Je le trouve un petit peu gros, un petit peu grossier. Je pense que les vrais AirPods sont plus petits. Et fourni avec ce petit tolgoukou, un câble en fait avec un que vous branchez ici dans le petit trou et que vous branchez à une prise USB. Oh, la fille qui a du mal à s'exprimer quoi. Et ensuite, vous mettez dans vos oreilles. Et ça marche très très bien. Franchement, ça fonctionne très bien. Par contre, je trouve ça vraiment très très gros. Ouais, j'ai déjà vu des AirPods et franchement, c'est beaucoup plus petit. Le son est pas dégueulasse. Après, j'ai testé qu'avec un seul parce que j'en ai qu'un. Je pense que je vais en commander un deuxième pour voir exactement ce que ça fait. Mais voilà, je suis pas... Après, ça fait le job, voilà. Mais c'est franchement très gros. Donc, en tout cas, voilà, si vous voulez trouver des écouteurs sans fil, je pense que vous pouvez trouver... plus petit autre part. Par contre, au niveau de la qualité, c'est pas dégueulasse. Ça passe, ça passe, ça passe. Ensuite, j'ai acheté ceci. Je pense que vous connaissez. C'est un petit ustensile que vous allez placer sur votre trépied, en fait, pour pouvoir mettre votre téléphone portable. Tout simplement, je l'ai pris parce que j'en ai qu'un seul. Et vu que j'ai 2 trépieds, je me suis dit pourquoi pas. Après, la qualité est pas oufissime. De toute façon, le truc, tu vas pas l'enlever et le remettre tout le temps. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà testé au niveau de l'embout. Ça fonctionne très, très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus et vous voyez il est ajustable. Voilà, après je pense pas que vous pouvez mettre un gros téléphone non plus, mais ça fait le job. C'est exactement le même chose que vous pouvez trouver sur Action par exemple, dans le magasin Action. Et enfin, le dernier petit article pour ce vlog, j'ai reçu ça. Alors attendez, parce que je vous l'ouvre. Donc en gros, c'est une étagère pour la chambre de petit bébé 1 ou 2, je sais pas trop. Donc c'est une petite étagère assez jolie. Je vous avais montré dans une de mes vidéos l'étagère que moi j'avais créée moi-même. Et là je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors après, au niveau de la finition, alors attendez, parce que j'ai pas envie que les perles se barrent.
Voilà, au niveau de la finition, c'est pas oufissime. Hop, vous voyez, il y a un petit défaut juste là. Et au niveau de la perle qui est là, vous voyez, elle est un petit peu abîmée. Donc c'est pas nickel, après ça va, ça tourne parce que du coup je vais mettre les motifs qui sont pas très jolis côté je ne te vois pas. Et au niveau des petits froufrous, ça va encore, c'est pas énorme, énorme. Ils n'ont pas beaucoup de volume, mais ça va, ça passe. C'est le strict minimum, on va dire. Mais je la trouve plutôt jolie. Il y avait plein de couleurs différentes. Moi, j'ai préféré blanc. Il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait tout ce que tu veux. Et après, au niveau de la réglette, ça passe encore. Ça va, il y a des petits... Non, ça va. Après, c'est du bois... C'est pas du bois de ouf, mais franchement, ça passe. Et je trouve que ça fera très joli dans la chambre de petit bébé. Et voilà, cette vidéo, elle est finie. J'espère que ce haul zoom vous a plu. Je vous remercie énormément de m'avoir... J'ai le nez qui gratte. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi également à me suivre sur le site de Joom. En fait, ils ont une espèce de... Je dis beaucoup de... dans cette vidéo. Ils ont une espèce de mur un peu comme Instagram où vous pouvez suivre certaines personnes. Et mon pseudo est juste là. Là, par là. Et donc, n'hésitez pas à me suivre. Comme ça, vous verrez les articles que j'ai achetés. Vous verrez mes commentaires. Et vous aurez directement les liens des articles que j'ai achetés. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne continuation. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si mon contenu vous plaît. Je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. We can be true. I want you to see what